Allez, bonjour à tous, ici PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos préférés. J'espère que vous allez bien, comme ça, super. Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de l'Obscur Clan pour une toute nouvelle vidéo en ma compagnie. Et aujourd'hui, nous vous proposons non pas un gameplay au fusil, ni au sniper, mais bel et bien une nucléaire à la malice. Ce magnifique couteau que l'on peut tous obtenir avec de la chance et de la patience dans les colis de ravitaillement de Black Ops 3. Alors, ce magnifique gameplay nous a été réalisé par Obscur Crystal. Sa chaîne sera en description, bien évidemment, et vous propose des énormes massacres sur Call of Duty. Ah oui, aussi pour une petite parenthèse, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaîtrez pas. Tout simplement parce que je suis nouveau au sein de l'Obscur Clan, je suis commentateur, mais pas seulement, j'ai apporté et j'apporte un principe, une série dans la performance. Mais voilà, je vous en dis pas plus les amis, parce qu'une vidéo sortira demain, c'est-à-dire dimanche. Une vidéo très spéciale en la compagnie de Turok, donc soyez présents, je vous fais confiance. Alors voilà pour la parenthèse, maintenant, comme vous pouvez le voir sur le gameplay qui se déroule sous vos yeux, le player, Crystal, a joué sur la map Combine de Black Ops 3, et il faut savoir qu'il a énormément temporisé. Bon, en même temps, tu vois, pour claquer la nuque à la malice, c'est le prix à payer. Donc en fait, il a pris les bacs de A. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des bacs, voilà, pour les gens peu expérimentés sur le jeu, en fait, c'est tout simplement... Regarde, le spawn ennemi, c'est l'endroit où tu vas rush, c'est l'endroit où va spawn l'ennemi de base, quand tu spawn, enfin, quand tu spawn au début de la partie, tu spawn en A, il spawn en C par exemple. Et bah là, pour ce gameplay, il a spawn en A, et finalement, ses alliés vont aller rush C, ils vont aller pousser sur C, et en fait, en poussant le spawn de C, donc il y a des points de spawn sur les maps, faut savoir aussi qu'il y a des points de spawn, hein, les gens ne spawnent pas n'importe où, en poussant les spawns de C, et bien en fait, les ennemis vont spawn sur ton ancien spawn, donc sur A. Et en fait, Crystal, lui, s'est positionné sur A, ses alliés allaient pousser sur C, il avait bien sûr un ou deux alliés sur A pour l'aider au cas où il était débordé, et finalement, les ennemis spawnaient goutte à goutte, on va dire, sur A, il pouvait bien les enchaîner tranquillement. Donc il a tourné entre A et B en faisant des va-et-vient dans la maison. Il était aussi accompagné d'un hater permanent grâce à ses alliés qu'il peut remercier pour l'avoir aidé, je pense, car c'est grâce à eux qu'il a pu donc anticiper chaque mouvement de chaque ennemi. Alors je ne vais pas vous proposer la nucléaire entière tout simplement parce qu'elle dure 6 minutes, mais le gameplay original sera dispo bien évidemment sur la chaîne de Crystal. Et en plus, voilà, il vous met une petite musique de fond avec, bien sympatoche. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette nucléaire dans l'espace des commentaires. Si vous kiffez les gameplays au corps à corps, n'hésitez pas à nous en demander. Franchement, les amis, on prendra les comptes d'abonnés aussi, ça pourrait faire plaisir. Et puis hop là, on vous tapera des nucléaires avec telle ou telle arme de mêlée. Pourquoi pas les poster sur la chaîne ensuite. N'oubliez surtout pas le like. Et puis moi, les gars, c'était PsyWar et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!